Ok, le SWAT est en train d'attaquer les criminels. J'espère qu'on va gagner cette fois-ci. Oh non! Oh merde, je me suis fait tuer! Hey, salut les potes, c'est Matlaro et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur SWAT vs Criminal, un jeu créé par Wolfpack, c'est-à-dire le même créateur que Brookhaven. Et vous l'entendez en ce moment avec les coups de feu, c'est vraiment l'anarchie totale. Donc là, le but c'est de tuer les criminels, c'est-à-dire ceux avec les pseudos en rouge. Moi, je tire au bazooka littéralement. Ok, il y en a un autre juste ici en haut, on va essayer de le tirer au bazooka. Et oui! En fait, quand le pseudo s'affiche en bas, eh ben ça veut dire que le joueur a été éliminé. Et là, il y a l'hélicoptère qui est en train de faire n'importe quoi, what the fuck! Et pour l'instant, ça va super bien, je suis en train de faire plein de kills. Oh non, puis là, pendant en train de me tirer, faut faire attention. Merde, on me tire dans ma direction. Ok, faut pas que je meure. Non! Oh non, me tuer. Mais c'est encore la même personne que tantôt. Je veux absolument réussir à la tuer pour me venger. Il y en a deux juste ça à un côté de l'autre. Ok, lui, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Yes, j'ai réussi à le tuer. Il y a une autre personne qui est en train de monter sur la montagne. Je vais essayer de lui tirer au bazooka. Ok, non, par contre, je la vois plus. Et je me suis encore fait tuer par la même personne. De toute façon, la partie est terminée parce que la map va changer dans 5 secondes. Et tout le serveur a été tué pour être ramené au spawn. Vous savez quoi? Moi, je reprends la team SWAT, hein. Donc, visiblement, ça va être la carte alien cette fois-ci. Ok, c'est bon. On s'est téléporté dans la nouvelle map. Et là, je vais en profiter pour mettre le skin du SWAT. Mais en vrai, mon personnage est trop stylé comme ça. Bon, vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça parce que sinon, ça fait trop bizarre avec le chapeau puis les cheveux. Ok, il y a un mec juste là déjà en sortant. Ok, et j'ai malheureusement été tué. Merde. Bon, c'est pas terminé. On peut encore se rattraper. Et il y a encore une personne qui est en train de me déglinguer. Wesh, on est entouré. J'ai encore été tué par quelqu'un qui est sur le toit du spawn. What the fuck? Il y a juste encore une personne sur le toit du spawn qui est en train de me tirer depuis tantôt. Là, c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un juste là. Merde. Ok, j'ai réussi à le tuer. C'est bon. Et là, c'est n'importe quoi. J'ai presque plus de vie. Visiblement, j'ai enfin réussi à tuer la personne qui était sur le toit du spawn. Et oh non, elle a encore pris un avion pour y retourner, je pense. Et c'est exactement ce que je disais, la personne s'est encore mise sur le toit du spawn. Oh non, j'ai vraiment plus de vie, j'ai vraiment plus de vie, non! Vous savez quoi, je vais essayer de prendre la tourelle pour pouvoir attaquer l'ennemi. Je suis actuellement transporté par un bateau par un collègue, c'est vraiment stylé. Non, on va se faire tirer dessus! Oh non, le bateau va couler, merde! Ok, j'ai pas le choix de descendre et d'attaquer au bazooka. Ok, l'ennemi est juste devant moi. J'espère qu'on va réussir à le tuer. Yes, j'ai réussi à le tuer, c'est bon. Il y en a un autre par contre là-bas, faut faire attention. Ok, attention, je vais mourir, non. Ok, faut que je me tire d'ici, c'est n'importe quoi. Il y a un mec en train d'essayer de me tirer. Ok, faut que je me tire d'ici, c'est n'importe quoi. Ok, il est juste là devant moi, il faut que j'essaye de le tuer. Non, je vais plutôt essayer de me cacher parce que c'est bon, là, je vais pas mourir encore une fois. C'est n'importe quoi, il y a des ennemis de partout, non, on se fait tirer depuis la montagne. Non, merde, j'ai reçu un missile juste sur moi, faut que je me dégage d'ici. Le mec est juste devant moi avec son véhicule, ok, je vais essayer de lui tirer dessus. Meurs, meurs, j'ai dit meurs, yes. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le tuer, mais par contre, ma vie, c'est vraiment juste. Et si j'embarque dans son véhicule et que je vais à la base des criminels pour me faire passer pour un criminel justement, est-ce que vous croyez que ça va marcher? Bon, moi par contre c'est mort, je descends pas de mon véhicule. Ah merde, j'ai été tué. De toute façon, ça tombe bien parce que c'est déjà l'heure de pouvoir changer de map. Toujours dans la team SWAT bien sûr. Et wesh, la map est trop stylée cette fois-ci. Cette fois-ci c'est nous qui affrontons et on va aller attaquer les criminels. Il y a comme un petit truc jaune ici depuis tantôt qui passe au travers, je sais pas c'est quoi. Je vais justement aller le découvrir dans les instants qui suivent. Et visiblement c'est un espèce de trésor, ok. Dans le fond, c'est moi qui dois prendre l'or et qui dois le ramener à la base, je crois. Et là, par contre, je suis plus susceptible de me faire tuer par les criminels puisque maintenant j'ai l'or avec moi. Et je pense que c'est correct, on n'aura pas trop de soucis. Et voilà, j'ai réussi à rentrer l'or dans le bâtiment qu'on va pouvoir ramener juste ici. Ok, il y a un criminel juste devant l'entrée de la base. Oh, lui, on dirait même un pro player, c'est n'importe quoi. En vrai, à part peut-être tuer les criminels, je sais pas c'est quoi vraiment l'objectif du jeu parce que j'ai jamais joué. Comme là, j'ai appris que par exemple, on pouvait récolter l'or de la banque pour pouvoir la ramener à notre base. Ok, la personne est juste devant moi, je vais essayer de la tuer. Ah, c'est bon, j'ai quand même réussi à faire 2 kills. Merde, je me suis refait tuer derrière. Vous savez quoi, cette fois-ci, ça devient une histoire personnelle. Ça fait environ 10 fois qu'elle me tue. Ok, elle est juste devant moi, c'est bon. Et elle m'a encore tué, merde. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la tuer. Juste avant qu'en plus la map se reset. Et c'est pour ça que je viens de mourir pour aucune raison. Ok, donc, ouais, voilà. On va encore changer de map. Et donc, c'est toi qui arrêtais pas de me tuer depuis le début, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Et c'est quoi ce personnage-là? Ça me rappelle quelqu'un. Cette fois-ci, le paysage a complètement changé. On est visiblement dans la jungle et il y a des personnes qui sont en train de se faire dropper au sol avec depuis des hélicoptères. Mais attends, la personne est littéralement en train de cheat en fait. Yo, c'est n'importe quoi, j'ai réussi à tuer une personne depuis mon véhicule. Et il y a encore un pseudo en rouge, ce qui signifie qu'il y a un criminel à notre base et c'est encore le mec qui cheat. Oh merde. Ça, je déteste ça par contre dans Roblox, des gens qui cheat. Ok, il y a une personne juste sur le toit de la base à nous. Oh, mais non, mais wesh, c'est encore la même personne qui m'a buté. Bon, c'est ça, elle est morte, elle a mérité, c'est bon. Et je sais pas si. Merde, what the fuck, je m'en allais parler, mais je me suis fait buter. Ok, cette fois-ci, c'est moi qui vais l'avoir. Regardez bien ça. Ici, il y a un hélicoptère qui est en train de
nous tirer dessus. Ok, l'hélicoptère a explosé et tous les occupants sont droppés au sol. C'est notre chance de pouvoir en tuer quelques-uns. Ok, good, je pense que j'ai réussi à faire un kill. Je me demande c'est quoi pour vrai le bruit qu'on entend depuis tantôt. Il y a comme un bruit de crépitement, je sais pas là. J'ai réussi à faire un autre kill, c'est bon. Mais encore un autre, allez, je suis trop chaud. Bon, aussi, j'ai plus de vie, mais ça, c'est un détail. On arrive à la base des criminels et je vous le dis qu'on va les déglinguer. Mais vas-y, c'est bon, c'est rendu que je tue tout le monde. Ok, il y en a d'autres juste devant nous. Et pour l'instant, je pense que c'est la partie où j'ai fait le plus de kills. Et on voit également le classement juste ici. Bon, 3e, juste 4, mais bon. Je suis quand même à la 3e place, c'est bien. Visiblement, c'est une map qu'on n'a pas encore fait, alors c'est quand même plutôt cool. Et il y a également une autre chose qu'on n'a pas encore fait, et ben c'est de prendre un hélicoptère. Ok, donc visiblement. Ah, ben en fait, c'est exactement comme sur Bro Kevin. En même temps, c'est normal parce que c'est le même créateur, je vous rappelle. Et tiens, on va aller se poser juste ici sur le spawn avec notre collègue. D'ici, on a une vue parfaite sur les ennemis. Et non, merde, je me suis fait tuer encore. Je vais regarder dans le marché et je pense qu'on peut même acheter une mitrailleuse. Ah, je crois que j'ai juste pas assez d'argent par contre. Et juste ici, on a l'air d'avoir visiblement une salle des caméras. Et oui, effectivement, waouh, c'est trop stylé. Et là, on peut même zoomer, je crois, et je vois qu'il y a un criminel qui est en train de s'approcher de notre base. Bon, vous savez quoi? C'est moi qui vais aller s'en occuper puisque personne n'est là. Yes, c'est bon, un autre kill. Et là, c'est pas fini, bien sûr. On entend encore des coups de feu. Ok, je vais embarquer dans l'hélicoptère avec mon collègue. Et là, on se fait déjà tirer par des coups de bazooka. Non, il y a l'ennemi qui est là. Oh non, elle m'aurait tué. Mais attends, c'était pas elle que je venais de tuer pourtant? Si ça se trouve, on a encore une hackeuse cette fois-ci qui vient de se téléporter. Ok, on est mort en même temps, c'est ridicule. Mais attendez, je vais aller voir si ce que je dis c'est réellement vrai parce que en fait, moi, je veux voir si elle se TP réellement et visiblement oui. Elle a beau être une hackeuse, mais c'est moi qui l'ai encore tuée. Alors bon, ah ça se voit qu'elle a ragé, ça se voit qu'elle a ragé. Bon, vous savez quoi, moi j'aime pas ça jouer avec des hackers, alors je vais changer de serveur. What the fuck, cette fois-ci on est dans un nouveau serveur mais avec juste 2 personnes. Ok, non c'est bon, je pense que les gens commencent à rejoindre petit à petit et même très vite. Et je crois avoir trouvé un petit passage secret sur la map. Et on peut encore y accéder par ici. What the fuck. Ok, ben on a trouvé un passage secret, c'est bon. Je me suis mis à un endroit de la map quand même assez bien caché et on peut avoir un assez bon visuel sur la base des ennemis. Et moi comme ça, je vais pouvoir les couvrir d'ici. Et oh non, il vient d'abattre l'hélicoptère. Ok, c'est bon, je pense que j'ai fait suffisamment de kills et maintenant je vais repartir sans me faire tuer le plus possible. On a aussi à notre disposition une tourelle aérienne qui va pouvoir détruire tous les avions qui sont justement dans notre espace aérien. C'est parti, avec la team du SWAT, on s'en va attaquer les ennemis. C'est parti, on tire les ennemis. Il y en a un juste, il y en a sur le bateau, il y a des gens sur le bateau, non? Ok, on est juste devant la base ennemie et il faut éliminer toutes les personnes qui vont être dans notre chemin. Mais what the fuck, j'arrive plus à faire de kill. Bon, c'est bon, j'en ai tué un. Ok, un deuxième, c'est bon. J'ai remarqué également qu'il y avait un sniper sur le toit de la banque et ça m'intéresse beaucoup d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et je pense visiblement que par le pseudo, c'est une personne de notre équipe. Le seul truc, c'est que je sais vraiment pas comment qu'on fait pour y accéder. Ok, c'est bon, vas-y, je pense avoir trouvé comment qu'on fait. Et il y a une musique assez étrange, il y a une petite lueur rouge, je sais pas à quoi m'attendre. Ok, c'est bon, ici on est safe. Comme ça, on va pouvoir attaquer les ennemis. Wesh, il y a un avion qui fonce sur moi. Yo, j'ai vraiment eu peur pour le coup, j'étais là comme ça, puis j'étais comme what the fuck, ça a comme apparu d'un coup. Comme ça. Mais heureusement, c'est bon, c'est un collègue, il va pouvoir nous aider. D'ici, visiblement, j'arrive à repérer des criminels sur le bateau au centre de la map et le but, ça va être de les éliminer. Ok, voiture repérée ici en bas sur le pont. Mais de toute façon, la carte va se régénérer dans 30 secondes. Et c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Et il y a des gens qui sont en train de se battre en face de nous sur la colline. Et je tombe en bas, waouh, ok, c'est bon. Et sinon, c'est sur ça que la vidéo se termine. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si elle vous a plu. Et sinon, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao les potes!